Prima di iniziare la nostra veglia di preghiera, vogliamo dare qualche indicazione pratica che ci permetterà di partecipare meglio. Vogliamo esprimere la nostra comunione con un gesto simbolico, mischiare la terra che abbiamo portato dai diversi paesi dove ci troviamo. E così pregare. Bienvenue à toutes les sœurs de Marie Réparatrice qui représentent notre congrégation dans 21 pays du monde. Un bienvenue spécial à tous les membres de la famille de Mère Marie de Jésus, ses descendants et ses parents. Nous sommes très heureuses d'avoir avec nous les représentants de trois générations sur les six générations qui descendent d'Émilie et de Victor Duvorst, de ses deux frères Théodore et Charles d'Outremont et de leurs nombreux cousins et cousines. Bienvenida a cada uno de vosotros que venís de los diferentes países. E benvenuti a tutti i nostri amici di Roma. Bienvenue, benvenuti, welcome, Tongashua, Avalamati Tesenese Okubalaba, Ishten Hozot, welcome. God so loved the world that he gave his only son. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su hijo único. Tien sa tulsaan gemante men sana laitugan. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Soil of violence, soil of stifled cries, soil of our dreams of peace, soil of justice, of blood poured out, of grain lifted up, forming the bread of humanity. Szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát küldte. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Tierras del perdón y de la confianza mutua, tierras de esperanza, tierras de la ofrenda del arroz, del maíz y del trigo, tierras del exilio y tierras de libertad,
tierras donde se comparte el pan de la solidaridad. Katonda yayagala ensi eno. Femme, amoureuse du Christ, une femme passionnée de son évangile, une femme livrée à l'amour qui répare. Que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je attristé? Ô popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho rattristato? Oh my people, what have I done to you? In what have I offended you? L'amore che ripara. To live love which repairs. Vivir el amor que repara. Marie, mère de Jésus, parle au cœur d'Émilie, à son cœur d'épouse et de mère.
Émilie comprend qu'elle est appelée à être Marie pour Jésus. Essere Maria per Gesù. To be Mary for Jesus. Ser María para Jesús. Con ese corazón de madre que olvida todo y hace desaparecer las distancias. I promised all to Mary. À nous laisser rencontrer, à nous laisser aimer, à nous laisser réparer, à nous laisser envoyer pour être, comme toi, au cœur de nos peuples, Marie pour Jésus. Alors, toi, toi qui viens en pèlerin, que cherches-tu? Qui cherches-tu? Fais silence.
Que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. Allons surtout à cet adorable cœur pour y apprendre à régler le nôtre, à ordonner toute notre personne et tout ce qui constitue la vraie sainteté.
Ahora vamos a hacer cada uno de nosotros recibirá el cuerpo de nuestras manos. Se nos invita a amarnos la tierra como Dios lo ama. Se nos invita a hacer para nuestros hermanos amor que consuela la locura, que reconcilia y repara. Thank you.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax mobi. Fratelli e sorelle carissimi, oggi, giorno del Signore, tutta la Chiesa è unita a questa nostra festosa assemblea nel rendere grazie a Dio che nei Suoi Santi continua a compiere meraviglie per il Suo popolo. Convocati alla mensa della parola, del pane di vita, anche noi, sull'esempio dei nostri fratelli che oggi proclamiamo beati, apriamo i nostri cuori all'azione rinnovatrice dello Spirito Santo perché ci renda sempre più conformi a Cristo, immagine del Padre e immagine dell'uomo nuovo. Miserator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Beatissime Pater, ordinari celaiensis, brixiensis, tursiensis, lacunerulosensis, liodiensis,
et espoletanus nursinus, humilime a sanctitate tua petunt, ut venerabiles servos Dei, Eliam a succursu nieves, Ioannem Baptistam pia Marta, Dominicum Lentini, Mariam a Iesu Emiliam d'Oltremont, Biduam van der Linden Dogvorst, et Mariam Theresiam Fasce, numero Beatorum adscrivere, benignissime digneris. Émilie d'Outremont, la future Mère Marie de Jésus, naquit le 11 octobre 1818 à Wigimont, près de Liège, et fut baptisée ce même jour. Elle hérita du grand esprit de foi et de la grande fidélité à l'Église de sa famille. Mariée au baron Victor van der Linden d'Oogvorst, elle eut deux filles et deux fils. Veuve à 28 ans, elle assume l'éducation de ses enfants, mais se sent appelée à se consacrer entièrement à l'amour envers le Christ et à réparer les refus et les injures faits à la tendresse de Dieu. Elle invite des amis à former une famille religieuse. Accueillie par Monseigneur Raas, évêque de Strasbourg, elle s'établit en 1857 en cette ville. Sous son impulsion, l'Institut se développe dès 1860 aux Indes et en France. Elle mourut à Florence chez son fils Adrien le 22 février 1878 à l'âge de 59 ans. Émilie d'Outremont ne rechercha d'autre voie à son grand désir de vivre qu'auprès de son maître le Christ, Dieu homme, qui s'est donné lui-même par amour tendre pour les hommes. Elle communiait à l'amour maternel de Marie pour son fils et pour l'humanité. Elle ne laissait rien transpirer des grandes épreuves de cœur et d'esprit dans la direction de sa congrégation et dans l'accompagnement de ses sœurs. Les quatre dernières années furent pour elle un grand temps de paix intérieure au milieu des souffrances, grâce à l'abandon qu'elle fit entièrement d'elle-même à l'amour du Christ. Elle trouva la force pour s'engager dans sa voie et pour persévérer à travers les épreuves dans la foi pure à l'amour du Christ, dans la communion eucharistique et dans l'adoration de sa présence. Sa vocation à réparer la poussa à restaurer l'amour de Dieu dans les cœurs par l'organisation des retraites et par l'instruction religieuse. Cette spiritualité anime toujours le millier de membres de la Société de Marie Réparatrice, active en 20 pays de par le monde. Mère Marie de Jésus peut être proposée comme exemple et comme protectrice pour la nouvelle évangélisation. Sul gradino, ginocchiatevi sul gradino.
Nos vota fratum nostrorum, Jesus Humberti Velasquez Garey, Episcopi Celaiensis, Brunonis Foesti, Archiepiscopi Episcopi Brixiensis, Rocchi Talucci, Episcopi Tursiensis, Lacuna Rulonensis, Alberti Ussio, Episcopi Erodiensis, Edicardi Fontana, Archiepiscopi Spoletani Ursini, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatu, multorumque Christi fidelium, ex plentes, de congregationis, de causis sanctorum consulto, autoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabiles servi Dei, Elias a succursu nieves, Ioannes baptisma pia Marta, Dominicus Lentini, Maria a Iesu Emilia d'Oltremont, vidua van der Linden de Hoge Vost, e Maria Theresia Fasce, Beatorum nomine in posterum appellentur, eorumque festum. Elia succursu nieves, die undecima octobris, Ioannis Baptiste pia Marta, die vicesima sexta aprilis, Dominici Lentini, die vicesima quinta februari, Maria a Iesu Emilie d'Oltremont, vidue van der Linden de Hoge Vost, die undecima octobris, et Maria Theresiae Fasce, die duodecima octobris, in locis et modis, iure statutis, cotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
ordinaris elagensis, brixiensis, tursiensis, lacunerulosensis, liodiensis, et espoletanus nursinus, gracias ex animo sanctitati tue agunt, quod titulum beate, beati, odie venerabilibus servis Dei, Elie a succursu nieves, Ioanni Baptiste Pia Marta, Dominico Lentini, Marie a Jesu Emilie Doltremont, Bidue van der Linden Dogorst, et Marie Theresie Fasche, conferre dignatus est. Gloria in excelsis Deo. Et in terra solibus, gloria voluntatis. Benedicimus Deo. Tua nos Jesus Domine, gratias.
sempre preveia desse quatu. Ac boni operius, iugi del mestre descendentos, per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui te convivi et regna in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lecture de la lettre aux Hébreux. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre au plus profond de l'âme, jusqu'aux jointures et jusqu'aux moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, dominé par son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Questa domanda, che nell'odierno testo evangelico viene posta da un giovane, nel corso dei secoli è stata rivolta a Cristo da innumerevoli generazioni di uomini e donne, giovani, anziani, chierici e laici. Dalla deuxième lecture de la liturgie, nous avons entendu qu'elle est vivante, la parole de Dieu. Elle pénètre au plus profond de l'âme. Émilie de Hochevost a accueilli cette parole au plus profond d'elle-même, apprenant à se soumettre à la volonté de Dieu. Elle réalise d'abord la mission de tout couple chrétien, faire de son foyer un sanctuaire de l'Église à la maison. Devenue veuve et animée par le désir de participer au mystère pascal, Mère Marie de Jésus fonde la Société de Marie Réparatrice. Par sa vie de raison, elle nous rappelle que dans l'adoration eucharistique où nous puisons à la source de la vie qui est le Christ, nous trouvons la force pour la mission quotidienne. Que chacun de nous, quel que soit son état de vie, sache écoutez la voix du Christ qui doit être la règle de notre existence, comme elle aimait à le dire. Cette béatification est aussi pour les religieuses de Marie Réparatrice un encouragement à poursuivre de l'apostolat par une attention renouvelée aux hommes de ce temps. Selon leur charisme propre, elles répondront à leur mission. Éveiller la foi chez nos contemporains et les aider dans leur croissance spirituelle, participant ainsi activement à l'édification de l'Église.
credo in unum Deum. Padre onnipotente, actor in cieli e terre, visibili omnium, et alla luce della parola di Dio che abbiamo ascoltato e confortati nel nostro cammino di fede dal coraggioso esempio di questi nuovi beati, confidiamo anche nella loro intercessione mentre presentiamo al Signore le nostre difficoltà e le nostre speranze. Dominum deprecemur. Deo da nos dominos. Ik heb gebeden en er werd mij inzicht gegeven. Ik heb gesmeekt en de geest van de wijsheid kwam tot mij. Ik schatte haar hoger dan scepters en tronen en ik beschouwde rijkdom als niets in vergelijking met haar. Op voorspraak van de zalige Emilie Doultremont-Dauphorst, echtgenote, moeder en religieuze, bidden wij u, Heer, voor alle gezinnen. Dat zij in het bewustzijn van hun goddelijke zending de deuren openen voor uw evangelie. En in vreugde en verdriet steeds in de gemeenschap met u de kracht vinden om samen hun weg te gaan en aan de wereld het beeld te tonen van uw kerk die leeft binnen de huiselijke muren. Dominum de precemur. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne un esprit de sagesse pour nous faire comprendre l'espérance que donne son appel. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église. Fais que sa marche vers le grand jubilé de l'an 2000, soutenue par l'exemple héroïque et par l'intercession des saints, soit pour le monde entier un motif d'espérance, un ferment de charité, et un instrument de communion
entre tous les hommes. Dominum de precemur. Apri, o Signore, i nostri cuori, l'azione del tuo Santo Spirito, perché, come ha plasmato un tempo tanti eroi del tuo Vangelo, così operi ancora oggi in noi e ci renda coraggiosi testimoni del tuo amore, in ogni luogo e in ogni circostanza della vita. Per Cristo nostro Signore.
la Deo, cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cum omnivitia celestis exercitus, in nunc gloriae tuae canimus, sine fine dicente. Sanctus est Domine, et merito te laudat, omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare undecinis, ut a solis hortus quod occasum, oblatio munda operatur nomi tuo. Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, nelle spicia peccata nostra, se fine ne crede tue, e anche secondo voluntatem tuam pacificare et catunare digneris, qui vivite e regnas in secula seculorum. Amen. Pax Domini, sit semper obiscum. Offerte vobis pace. Oh,
Conclusione di questa solenne celebrazione eucaristica, saluto con affetto a tutti voi, carissimi pellegrini convenuti a Roma, dall'Italia, dall'Europa e dall'America. Je salue le pèlerin de l'Anconcès qui ont participé à la béatification de ce jour,
en particulier les religieuses de la Société de Marie Révélatrice. Qu'ils prennent exemple sur la bienheureuse Marie de Jésus qui a su dire oui au Seigneur et qu'ils se mettent au service de leurs frères comme la mère du Christ. Insieme ai Beati, rivolgiamo ora il nostro pensiero alla Vergine, Regina di tutti i Santi. La devozione mariana risplende in modo eloquente in questi nostri fratelli e sorelle elevati alla gloria degli altari. Essi hanno amato e venerato la Madonna con affetto di figli, a lei hanno fatto ricorso durante tutta la vita, specialmente nei momenti di difficoltà e di prova, affidando se stessi e le loro attività alle sue mani e al suo cuore di madre. Ci aiuti la Vergine Santa, che in questo mese d'ottobre onoriamo in modo particolare con la recita del Rosario, a rispondere con prontezza e fedeltà alla vocazione che Dio rivolge a ciascuno secondo la diversità dei doni e dei carismi. E non posso alla fine non ricordare che una settimana fa, domenica scorsa, ho potuto celebrare a Rio de Janeiro, in Brasile, la grande giornata mondiale per le famiglie. Ricordo tutti e ringrazio per la grande ospitalità dei brasiliani, specialmente del Cardinale di Rio de Janeiro, in tutti questi giorni ai ospiti e famiglie del mondo intero. Maria, Madre delle Famiglie, benedica tutte le famiglie del Brasile e del mondo. Angelus Dominum Caevit Mariae. Concepit Spiritu Santo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetris. Digni ficiamus promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostri infunde, ut qui angelo annunciante, Christi fili tui, incarnazione coniovimus, per passione meis et crucem ad resurrectionis gloriam perducam, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam ad nobis Domine. Et lux perpetua luceat Dei. Quiescant in pace. Amen.
Sit non domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Oh.
okay. Alors, como he querido empezar por dar la bienvenida, pienso que ahora es para darnos el au revoir, porque es casi el momento para todas que están saliendo. Pero para, solamente para decir que ayer, como hemos empezado en Santi Apóstoli, para acoger a todos los peregrinos a Roma. Aujourd'hui, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à une célébration de famille. Comme nous sommes ici présentes comme quatre branches de la famille d'Emily. And I would like to welcome in a very special way and to mention to you that a very warm welcome to three superiors general whom we have with us. As you know, they have gone too. And it is the superior general of the Franciscan Missionaries of Mary, Sister. The Superior General of the Franciscan Missionaries of Mary, Sister Christiane Megarbane. She is Syrian, and she is now the Superior General. I won't go into the history of our relationship with each congregation, or we'd be here for the rest of the day. But we are very happy to have had her with us, and also we have had with us Sister Rita Burley, who is English, and who is the Superior General of the Handmaids of the Sacred Heart, Las Esclavas, the Spanish. And also Sister Lawrence Namata from Uganda, who is the Superior General of the Sisters of the Immaculate Heart of Mary Reparatrix. Hello. As you can see, the branch, the genealogical and spiritual branch of Emily has also been very fruitful and has given much fruit in the church of these different congregations. And I'm very happy to say that these days we have a very, very close and supportive relationship between all of them. Je voudrais souhaiter la bienvenue particulièrement aux membres des différentes générations des familles d'Ugvorst et d'Ultremont qui sont avec nous. C'est une occasion unique pour nous, réparatrices, de rencontrer tellement de membres des familles d'Emily, tout ensemble. Quelques-unes d'entre nous ont déjà eu ce bonheur de vous rencontrer et aussi de visiter soit Boisfusée, Presles et les autres lieux où nous vous avons rencontrés. Et les membres de vos familles aussi connaissent nos communautés en Belgique, à Rome, et quelques-unes aussi loin que l'île Maurice, qui ont visité là. Alors, si j'essaie de présenter chacune ou chacune, je vais sûrement me perdre dans les labyrinthes généalogiques. Je les respecte beaucoup, mais je les laisse là. Alors, je voudrais simplement dire que nous sommes si heureuses d'avoir avec nous des descendants directs d'Emily et de Victor Duvorst. Et de ses deux frères, les deux frères d'Emily, Théodore d'Ultremont de Warfusée et Charles d'Ultremont de Presles, et de ses nombreux cousins, cousines, avec leur mari, leurs enfants, leurs petits-enfants. Vous êtes, et puis avec leur épouse et tout ça. Nous sommes j'étais particulièrement contente d'avoir des représentants des plus jeunes générations avec nous aujourd'hui. Je crois que c'est vous, nous sommes à la seuil d'un nouvel siècle. Et c'est vous qui porterez et transmettrez les magnifiques traditions familiales que vous avez héritées de ceux qui vous ont précédés. Benvenuto anche a alcuni membri delle nostre famiglie, a tutti gli amici di Roma,
a quanto ci hanno aiutato tanto e continuano a aiutarci in questo tempo in diversi modi, specialmente in questi ultimi giorni. E soltanto ricordare un po' che Emily, as you know, had a very strong sense of family. And I am sure that she today is tremendously happy that we are celebrating her beatification as well in this joyful family meal, not just in liturgical celebrations. Her parents received many people, many friends, and she continued that tradition with Victor and with her brothers later and with her own children. We remember actually that it was in the home of Victor's aunt in Boff that Emily had her spiritual experience on the 8th of December in 1854. C'est Emily qui parle. Enfin, l'esprit de famille doit nous aider beaucoup pour nous conserver dans une parfaite union d'esprit et de cœur. L'esprit de famille prend sa source dans la charité de notre Seigneur Jésus-Christ. La charité qui contribue à l'esprit de famille est tout à fait propre à notre société, laquelle est toute charité en Jésus et Marie. Nous devons en conséquence garder bien précieusement l'esprit de famille dans toute sa splendeur, sans rien souffrir qui lui soit opposé. Merci beaucoup. Bon, moi, je ne voulais pas parler, donc, au nom des Dovorst aussi, parce que les Dovorst, ils sont quand même assez nombreux là, et que je peux m'exprimer au nom des Doutremont, puisqu'il paraît que je suis leur président. Alors, ça, c'est... M'a-t-on dit tout à l'heure, c'est pour ça que je dois causer. Alors, Mother, thank you for welcoming us here. Thank you for the honor your order made and gave to our families. That's all I wanted to say. Thank you. Moi, je suis Edmond Dovorst, je suis président de rien du tout. Je voudrais quand même remercier toutes les sœurs de cet accueil merveilleux et magnifique qui est tellement chaleureux que nous avons ici depuis 3-4 jours. Je suis Edmond Dovorst, je suis cousin et descendant de votre bienheureuse mère fondatrice. Et pendant le déjeuner, je faisais un petit rêve et je la voyais dans le paradis terrestre, avec son mari et toutes les sœurs qui vous ont précédé et qui nous regardaient et qui devaient se dire « c'était quand même très bien » et tout ça, c'est quand même globalement positif.
madre de Jesús estaba allí. En Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos y manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra de Dios. Dans l'Église, en vue de la nouvelle évangélisation dans ce monde nouveau. Dieu, à travers Émilie, veut nous transmettre un message. Tout d'abord, que c'est lui et lui seul le maître de l'histoire, et que l'attitude fondamentale qui nous est nécessaire, c'est le silence de la foi. Come ringraziamento per la tua beatificazione, ti chiedo per ognuno di noi e per tutte le sorelle della congregazione il dono della contemplazione eucaristica oggi. Aiutami a fare anche per voi le tenere in essere la Señor, tú has dado a la Madre María de Jesús
per la comunione, la parola non può versi al cuore. Quindi ti verso di entrare anche il sacerdoti per la chiesa, non può non muoversi al cuore. De nous joindre autour du cardinal
Excusez-moi, parce qu'il y a tant de fondations de ce côté-là, des sœurs réparatrices que parfois nous confondons. Il y a à côté de moi également l'évêque auxiliaire de Strasbourg, qui, en l'absence, dans l'attente d'un nouvel évêque de Strasbourg, est ici. En reconnaissance de vous, Seigneur, l'évêque de Strasbourg, qui n'a pas hésité, alors que d'autres hésitaient, à accueillir les sœurs de Marie Réparatrice. Entre l'union personnelle avec le Christ, vécue dans la communion sacramentelle de l'Eucharistie et dans l'adoration, reste aujourd'hui plus que jamais la condition première de l'évangélisation dans un monde qui ne connaît plus ou qui ne connaît pas encore les richesses de l'amour de Dieu. Sur ce chemin, nous découvrons certes des joies et des épreuves. Mais nous trouvons dans l'histoire de cette âme et dans l'histoire de notre propre âme et de notre vocation apostolique non seulement quelqu'un qui nous précède, mais une douce compréhension et partecipato e contribuito a rendere festiva questa
envoyé avec espoir et courage pour annoncer que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et il le sera à jamais, à l'approche du grand jubilé du troisième millénaire. C'est aussi pour moi le moment de dire au revoir à plusieurs d'entre vous et de remercier encore Yvan de Chambon, Corito, Carol, Amor, Agradecimiento, au nom de tous, pour être venus à Rome pour célébrer la béatification d'Emilie du Jour du Force, la bienheureuse et Marie de Jésus, fondatrice de la Congrégation de Marie de Paris. I will end, as usual, with her words. Words that Emily told us that the Lord addressed to her to guide her through life. Words that she would surely like to share with us today as an encouragement for our lives. These are the words she quotes as the Lord addressed to her. Believe and walk on this ocean of the world. May my word sustain you. Hope in him who loves you. He will never fail you. Walk et marche sur cette mer du monde. Que ma parole soit ton soutien. Espère en celui qui t'aime. Jamais il ne te manquera. Merci beaucoup. Muchas gracias.
venerati fratelli nell'Episcopato e nel sacerdozio, carissimi religiosi e religiose, fratelli e sorelle, sono lieto di rinnovare a ciascuno di voi il mio cordiale saluto all'indomani della proclamazione dei cinque nuovi beati che voi siete venuti ad onorare. E vive ancora in noi l'eco della celebrazione di ieri e con animo grato rendiamo lode al Signore per le grandi opere che Egli ha compiuto in loro e attraverso le loro persone. Li sentiamo noi vicini nella comunione dei santi, dal loro esempio, dalla loro intercessione, siamo incoraggiati a più perseverante fedeltà nel seguire Gesù Cristo, divenendo come loro coraggiosi testimoni del suo Vangelo. Au lendemain de la béatification de Mère Marie de Jésus, je suis heureux de vous accueillir, cher Pèlerin, pour méditer avec vous son message. La prière, l'adoration devant le Saint-Sacrement ont une place importante dans son existence. Elles l'ont aidé à former et à assouplir sa personnalité. À l'exemple de Mère Marie de Jésus, je vous encourage à développer le culte eucharistique. L'Eucharistie est le cœur de la vie chrétienne et la source de tout élan missionnaire. L'amour pour le Seigneur a poussé la bienheureuse Marie de Jésus à servir ses frères, d'abord à sa famille, puis en fondant la Société de Marie Réparatrice. Sa vie spirituelle intense a ouvert son cœur aux dimensions du monde pour l'attention aux pauvres et aux petits. À votre tour, puissiez-vous vous engagez pour la solidarité de la justice et comme elle, vous dépensez pour le Christ, pour que le Christ soit annoncé dans toutes les cultures et sur tous les continents. Questi nuovi beati sono un dono per tutti i credenti. La loro testimonianza rappresenta un pressante invito a lavorare instancabilmente per il Vangelo. Carissimi fratelli e sorelle, auguro a tutti voi di ritornare alle vostre attività dopo questo pellegrinaggio a Roma, rafforzati nella fede e nella comunione ecclesiale. Vi sostengano la materna protezione di Maria, Regina del Rosario, e l'intercessione dei nuovi beati. Vi accompagna anche la mia benedizione che con affetto imparto a voi qui presenti, alle vostre famiglie e a tutte le vostre comunità. Angelus Domini, Nuntiavi Mariae.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ex ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis, Santa Dei Gentili. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelum anunciante, Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem et crucem, ad resurrectionis gloriam perducam, per unum Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Ecce aeterna non est Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.